salut tout le monde. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps, ça fait plaisir de retourner à la pêche là. J'ai fait un gros road trip là cet été avec Alexandre et Arnaud de 15 jours. Donc là c'est en cours de montage d'ici la fin de l'automne. Et là on se retrouve donc aujourd'hui avec Pierre pour une petite nuit en canal. Il est déjà venu deux fois, moi une première fois avec Mathis, où j'avais fait une belle carpe. Donc sur ce bief, une très très belle carpe, ma première au canal. Un poisson de pas loin de 15 kg. Et puis une deuxième fois avec Comé Pierre justement, où on a refait un deuxième poisson de la même taille. Donc là c'est reparti, on est fin septembre. Fin septembre là, donc les températures ont bien baissé depuis une semaine, on est vraiment en temps automnal. Donc on croise vraiment les doigts, on est là pour une toute petite nuit. Allez c'est parti, on vous explique la pêche. Allez go. Un amorçage pour poser de maïs, de farine, de pelée de bélicorne. Bon, je lance à la main en faisant des belles boules. Pile sous l'arbre. Voilà, je vais mettre à peu près 5 boules par canne et je vais balancer une trentaine de bouillettes par canne. Pour ma deuxième canne, donc j'ai mis un petit montage avec UD Rig, un peu de pâte plombée, un hameçon 4 et j'ai mis deux petites Wafter Life System. Donc c'est le spot là où j'ai déroulé deux fois, un spot dans une trouée à ras les arbres là en face. Et vraiment c'est dur, une belle plaque rocheuse. Donc là on croise les doigts, c'est vraiment la canne fétiche pour l'instant. Allez, on va essayer de bien la relancer. Faut se prendre dans l'arbre. Donc pour ma part, j'ai décidé de placer ma canne sur cette bordure pour éviter que si je la mette sur la bordure d'en face, que ça, avec le fil ça coupe la pêche, cette canne qui est à 80 mètres de mon rodpod. Donc là il va être 20h, donc on a quasiment fini de tendre les cannes. Pierre est en train de faire sa dernière. Et là on vient de revoir un saut, donc c'est plutôt bon signe, la dernière fois on n'avait pas vu un seul. Et là deux sauts depuis qu'on est arrivé, sur la bordure d'en face. Donc c'est parti, on croise les doigts pour la nuit, et puis on va manger et dormir, parce qu'il fait pas très chaud quand même. Et en croisant les doigts. À la 20 plus qu'on sort cette nuit. C'est clair. En vrai, je suis confiant. Je suis toujours confiant en fait. C'est un peu le problème. On est en train de manger. Et là, gros départ sur ma canne au fond. Je laissais à Pierre le premier départ. Oh, ça fait plaisir, c'est bon ça. Yes. On pouvait pas mieux commencer. Premier départ après une heure et demie de pêche. Une jolie petite coco d'à peu près 5-6 kg je pense. Super, vraiment une belle coco du canal. Bien content, encore sur la même canne.
Troisième départ sur cette canne, troisième poisson sur le canal pour nous. Ça fait super plaisir. En tout cas, on croise les doigts pour la suite. C'est ça. Mais c'est top quand on va retendre la canne, finir de manger parce que ça nous a coupé en plein repas. Et voilà, c'est top. Allez, super. Premier poisson pour moi en canal, donc c'est super bien. Ouais. Nickel. Le kiff. Allez, on réchauffe après la carpe. Yes. Ça donne pas trop envie maintenant comme ça. Bon, allez, ça va être dans le bidon, ça va être bon. La session se termine. Bon, malheureusement, encore une fois, le canal aura été assez capricieux, mais tout de même, c'est une belle commune prise hier soir là. Donc, merci à Mathieu de m'avoir laissé le départ. C'est cool. Voilà, alors, on va la relâcher. Oula! Non, elle est belle celle-là. Hein. Ouais. Non. Je t'ai pas combien? Yes! Yes! Allez, on se revoit. Check. On est parti. Et on se revoit avec le soleil.